Bonsoir mes chers Verseau, c'est à votre tour. Comment allez-vous? C'est Nati. J'espère de votre côté que tout va bien. Sinon, je vous le souhaite. On va regarder immédiatement ce que j'ai comme guidance, comme message pour vous. Prenez que ce qui vous parle, s'il vous plaît, puisque c'est une générale. Faites preuve de bon sens. Et puis, les énergies ne sont pas figées, donc c'est interchangeable, hein, d'accord? Alors, allons-y. Merci pour tout, pour les personnes qui sont déjà abonnées, qui me suivent, qui sont fidèles, merci beaucoup. Et aux nouvelles personnes, je vous remercie par avance de vos abonnements. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos émoticônes. En ce moment, je suis en promotion jusqu'au 22 inclus. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez, ça ne vous engage à rien de faire un petit tour sur mon site natinatura.com. Voilà, et vous avez mon mail en dessous de la vidéo natalia16000nati@gmail.com. Allez, on commence mes chers Verseau. On verra au niveau sentimental, mais on peut déjà avoir du sentimental. C'est à vous d'adapter, hein, si ça vous parle, par rapport à quoi dans votre vie. Et parfois, on n'a pas de message, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre, et puis voilà. Alors, il y a plusieurs cartes ici. Alors, on vous dit, ici, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire, avec votre famille. Alors, peut-être que vous êtes plus en paix avec la famille ou vous allez faire la paix avec votre famille. Hein. Ici, on vous dit aussi que la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Donc, vous allez éclaircir ici au niveau de la famille certaines choses. Donc, je suppose que vous allez poser carte sur table et vous allez discuter. Voilà. Vous allez clarifier les choses. C'est très bien. On vous dit aussi du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc, il faut du temps pour aboutir et de la volonté. Du temps et de la volonté de votre part, mais pour aboutir... pour un résultat que vous désirez, vous, hein, d'accord? Donc, il faut accepter le temps. Le temps est un ami, hein, ne le prenez pas comme un ennemi. Au contraire, parfois, quand on se précipite ou quand on va trop vite, ou alors, des fois, on n'a pas le temps, vous voyez, ou on est trop juste au niveau du temps. Et du coup, là, c'est plus comme... comme si c'était un don de l'univers qui vous explique que le fait de vous offrir du temps pour aboutir au résultat désiré, ben c'est comme ça que vous allez l'obtenir et aussi avec votre volonté, votre force, votre courage. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui va être clarifié donc au niveau de la famille. Hein, d'accord? On va laisser comme ça. On va remonter. On va regarder la suite. Une carte. Alors, on vous dit, répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Donc en fait, certains de vous, vous allez répandre, l'impératrice c'est l'amour aussi, donc vous répandez l'abondance que vous avez autour de vous et vous allez réaliser pour certains de vous un de vos rêves, hein, c'est le désir, c'est le résultat désiré, on le voit bien. Prenez soin de vous, alors prenez soin de vous, soit vous reposez, soit s'il faut aller chez le médecin, eh bien il faut prendre rendez-vous. S'il faut faire des examens, eh bien il faut faire les examens. J'en sais rien, mais vous voyez, est-ce que ça fait un moment que vous n'avez pas été chez le gynécologue, chez prise de sang, demander une échographie, voir par rapport à une douleur qui revient ou qui persiste, enfin, bon, bref. C'est aussi prendre soin de sa famille, en fait, hein, donc de sa famille, mais également de vous. L'abondance, alors peut-être que aussi vous allez aider quelqu'un financièrement, ça c'est possible. Mais c'est pas que financier, on est bien d'accord, c'est l'abondance sous toutes ses formes. Hein.
Prenez soin de vous et des autres. Ouais, vous allez avoir envie de prendre de soin de vous et les personnes qui vous sont proches. Mais je pense plus la famille, vous voyez. Alors la famille, ça peut être votre couple, les enfants, mais aussi les parents, aussi également les frères et sœurs. Vous voyez, ça c'est possible. Ensuite, certains de vous, on a le 10 de terre, d'accord? Certains de vous, on vous dit une vie familiale très heureuse. Donc je pense que vraiment, il y a la paix, il y a la clarté au niveau de la famille. Pour moi, je pense aussi à l'impératrice qui, elle, l'impératrice, vous savez, elle est enceinte. Donc il se peut qu'ici, il y ait un petit bébé. Dans son ventre, elle est enceinte en tout cas, hein, c'est en gestation, les 9 mois. Mais ça se trouve, là on parle de 3 mois, ça se trouve, c'est d'ici 3 mois, 3 semaines, 3 jours, hein, qu'on apprend qu'on est enceinte. Mais c'est possible que dans 3 mois, on accouche aussi également. Mais de toute façon, on parle de grossesse-naissance, hein, donc félicitations. Ou on attend les 3 mois pour l'annoncer à la famille, hein, également. C'est aussi peut-être, oui, un premier enfant où on agrandit la famille, quoi. C'est aussi également les projets. L'impératrice, vous voyez, c'est l'amour, c'est la grossesse. Elle est en gestation, elle doit accoucher de quelque chose, d'un projet. Mais un projet de cœur. Donc quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Du coup, en fait, le fait de répandre l'abondance, ça vous revient au centuple. Une vie familiale très heureuse, sécurité financière. Percevoir la magie profilant derrière les petites choses de la vie. Alors, ici, on vous dit aussi que c'est vrai qu'on parle d'abondance, du 10 de terre, hein, et on peut avoir une rentrée d'argent prochainement, peut-être moins des 3 mois, hein, ça c'est possible. Mais moi, ce que je vois aussi, c'est que, en fait, ok, l'argent, ok, enfin, tout ça, quoi, l'abondance, c'est très bien. Mais on vous dit aussi que faut percevoir, en fait, la magie se profilant derrière les petites choses de la vie, vous voyez. Et donc, il est possible que, oui, certains de vous, vous avez besoin de vous émerveiller comme un enfant en allant, par exemple, j'en sais rien, moi, hein, en allant aux champignons, en allant, je sais pas, faire une promenade, vous voyez. Et voilà, par exemple. En s'offrant un petit chocolat, quelques bouchées, vous voyez, 21h21. Mais voilà, c'est aussi ça l'abondance. Et de s'émerveiller peut-être, là on a les couleurs de l'automne quand même, hein, de s'émerveiller aussi, hein, d'accord? Alors certains de vous, vous êtes dans le don de soi, de l'argent, du temps, caritatif, bénévolat, hein, d'accord? 21h21, donc le 3, 2 plus 1, 3, 2 plus 1, 3. 42. Ça parle quand même de finances, hein, ici, d'argent. Moi, je pense que c'est qu'une histoire de temps pour certains de vous, peut-être moins de 3 mois ou dans les 3 mois. Après, au niveau du temps, bon, ben voilà, on ne l'a pas. Mais prochainement, il y a une somme et peut-être vous l'attendez, hein, cette somme d'argent. Mais en tout cas, l'impératrice, c'est l'abondance, hein, n'oubliez pas comme énergie. Tiens, chevalier de terre, loyal, dévoué, honorable et bon, le moment est venu par contre de s'atteler à la tâche et de vous accomplir. Donc là, on vous demande d'avoir votre volonté, votre courage, votre force, mais c'est le moment. Voilà.
On vous dit, c'est comme si on sonne les cloches et on vous dit, ça y est, hein, c'est le moment, il faut aller au charbon, au travail, carburer. Le moment, il est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir, vous voyez, honorer vos engagements. C'est certainement que, voilà, il ne faut pas vous écarter peut-être de cet objectif, ce projet, ce résultat tant désiré. On vous dit aussi également qu'un ange gardien vous protège, voilà, qui est terrestre. Donc terrestre qui est sur cette terre, d'accord? Donc il y a un ange gardien qui vous protège. Oui, peut-être qu'il a fallu du repos. Peut-être qu'on n'arrivait pas à avancer ou on procrastinait, hein, ça c'est possible, hein, on est des êtres humains. Mais là, ouais, il y a quelque chose, c'est comme si on vous disait c'est le moment, quoi, il faut se réveiller et s'atteler à la tâche pour s'accomplir ici, hein. Allons-y. Donc après, ici, on va faire la générale. On peut avoir du sentimental, mais je vous ferai le sentimental après pour les célibataires. Ou en couple ou en relation ou triangulaire si elle sort ou non, moi je ne sais pas. Oui, vous voyez, vous avez à nouveau ce 10 de terre. Le voilà. C'est les mêmes cartes, hein, d'accord? 10 de pentacle, 10 de terre, c'est la même chose. Donc il y a besoin aussi. Donc on a une rentrée d'argent, d'accord? On va utiliser cet argent pour dépenser pour quelque chose hein, qui vous tient à cœur finalement. Et d'autres personnes, c'est l'inverse. Vous devez. La reine de Pentacle, elle est bien que quand elle est en sécurité financière, quand elle a son toit, quand elle a tout ce qu'il faut. Ce qu'elle estime, d'accord? Donc, ben en tout cas, ces deux choses-là, c'est son toit et. Alors peut-être qu'il y a besoin, là ici, de sécurité. De se sécuriser, vous et les vôtres, hein, d'accord? Il y a besoin de ça, il y a besoin d'épargner, de mettre de côté, de sécuriser ici, hein. D'avoir une petite cagnotte, vous voyez, au cas où, ouais, ben, pour éviter l'écroulement, pour éviter l'écroulement, justement, et il y a ces cartes qui sont sorties, et comme ça, pour éviter l'écroulement, et comme ça, vous vous en sortez bien, écoutez, et vous serez victorieux, victorieuse. Maintenant, ici, moi, j'ai un changement radical dans votre vie. Il y a de la nouveauté. Il y a un chamboulement qui, pour moi, il ici, peut être positif. Attention au jeu d'argent ici. Parce qu'on pourrait faire un banqueroute. Ici, donc casino, les jeux en ligne et tout ça. PMU, enfin j'en sais rien. Mais attention ici. Par contre, ici, il est possible que... Il est possible ici que... Qu'on change. On a un objectif, on a un projet. Elle est enceinte, regardez aussi. C'est la reine de coupe. Elle tend... Vous êtes beaucoup dans le don ici, hein, dans le donner. C'est ce que vous allez être. Alors peut-être que vous recevez une somme et puis vous la distribuez, parce que c'est ce qu'elle fait, vous voyez. Elle distribue ses fleurs, mais c'est une victoire. Elle donne à la personne la plus âgée, qui pourrait être un des parents ou une grand-mère. Elle donne à une petite fille ici, une plus grande, vous voyez. Le 6 de bâton, c'est la victoire. On brille, tout ça. Mais... Ce qu'on vous dit aussi du 6 de bâton, c'est bien de briller, c'est bien de donner à tout le monde. Hein. Et d'ailleurs, il y a un amas de personnes, vous voyez. Mais c'est pas de cette manière. Enfin, il ne faut pas essayer de plaire, vous voyez, pour qu'on vous aime en donnant, en distribuant. Vous voyez, parce que finalement, on ne vous considère pas. À la fin, il n'y aura pas la considération à la fin. Donc c'est pas la bonne manière non plus pour certains et certaines. Alors bien sûr, vous le faites avec le don, avec l'amour, et mais certains de vous c'est l'inverse, hein, d'accord? C'est de plaire
pour obtenir cet amour, hein, quelque part. Vous voyez? Bon, ça parle à qui ça doit parler. Hein. Mais on a une victoire ici. On démarre quelque chose ou on redémarre quelque chose. En tout cas, vous avez toutes les qualités, le potentiel, hein, d'accord, pour ça. Donc, c'est super. Il y a des contrats. Peut-être qu'aussi, il y a un accord ici de trouver également. On a ici quelqu'un qui démarre une nouvelle relation ou c'est une reprise, donc une réconciliation. Mais on a tout ce qui est l'union. Vous voyez, donc les échanges, les correspondances, hein, d'accord? Et du coup, bah, écoutez, ici, on a, on est, on revit, ouais, on va dire plutôt qu'elle est dans la joie, dans la renaissance, oui, mais c'est le bonheur, vous voyez, on voit bien ces notes qui sortent de sa flûte, donc c'est le bonheur. Pour certains de vous, vous allez être invité, ou c'est vous qui invitez, il y a des belles attablées, hein, d'accord? Pour d'autres, en fait, faites attention aux banqueroutes, parce que c'est le jugement, cette carte-là. Est-ce que la tour, qui représente la prison également, est-ce que quelqu'un n'est pas tombé en prison et qui attend son jugement? Vous voyez, ça peut parler de ça aussi. Qui a besoin de paix, qui a besoin justement d'aide, d'amour et d'argent, qui a besoin d'argent aussi également, et qui a besoin d'amour, ouais, c'est ça, et d'arrêter, de comprendre ici, et de tirer des leçons et de comprendre en fait. Hein. Et peut-être d'arrêter ces comportements-là. Hein. C'est ce que j'ai quand même. Hein. Donc c'est pas pour tout le monde. Vous voyez, c'est particulier. Il y a quelqu'un qui m'entend, qui m'écoute. C'est possible que ça vous concerne, mais c'est possible également que ça concerne quelqu'un autour de vous. D'accord? De proche. Hein. J'ai trois cartes. Trois cartes. Donc, il y a un verdict ici, le jugement. Mais il faut donner de l'amour parce que cette personne, si elle va en prison, cette personne, il faut lui apporter de l'amour. Parce que sinon, elle va s'éteindre, vous voyez. Elle va sentir. Éteinte. Mais moi, je vois que certains vont aider en donnant de l'amour et de l'argent, apparemment. Mais cette personne, il est possible qu'il y ait comme un accord pour sortir. Alors, est-ce que l'accord pour sortir, c'est de trouver un emploi ou une. Une formation, un apprentissage, pourquoi pas. Ensuite, alors en amour, j'ai quelqu'un qui est trop strict. Il y en a un des deux qui est très strict, qui est dictateur. Donc en amour. Donc ça parlera à qui ça doit parler. On verra tout à l'heure si ça ressort ou non. Pour d'autres, vous êtes à la recherche, certains et certaines, de l'amour. Ou alors, plutôt, moi, oui, il est à la recherche quand même. Ou alors, aujourd'hui, on se sent prêt et prête à accueillir l'amour. Hein, d'accord? Pour d'autres, ici. Pour d'autres ici, vous avez envie de déménager. On le voit bien. On vous dit pas de précipitation, doucement mais sûrement. Pour certains de vous. On vous parle, certains de vous, de voyage, hein, d'accord? D'un voyage.
Peut-être que vous avez pris tout le temps de l'organiser. C'est quelque chose d'officiel ici, hein. Il y a un voyage, il y a un déplacement officiel. Il y a une victoire. On coupe avec le passé, on a l'élévation. Ça bouge dans votre vie. Vous avez du changement dans votre vie. Après, vous avez ici un accord. Donc, il y a quelque chose d'officiel. On peut parler de grossesse-naissance et de déclarer un enfant. On peut parler de fiançailles. On peut parler de mariage. On peut parler de quelque chose d'officiel, donc mariage, contrat de travail, bail et tout ça. Achat, vente de biens immobiliers, enfin tout ce qui est officiel, d'accord. Mais on peut parler aussi d'union, de s'unir. Donc c'est pour ça que je dis fiançailles ou Pacs, hein, d'accord. Mais on peut parler de ça. Pour certains de vous, au niveau du travail, on peut monter en grade ici. On peut trouver soit vous montez en grade, vous restez dans la même entreprise et vous changez de poste et de service et de statut. Soit vous changez d'entreprise, mais vous avez le choix à faire. Alors, est-ce que vous n'avez pas trouvé deux entreprises ou est-ce que vous hésitez à rester là où vous êtes et à changer d'entreprise? C'est possible. Certains de vous, vous êtes dans la confusion par rapport à je me lance, je ne me lance pas à mon propre compte, hein, d'accord? Et peut-être que cet argent, justement, qui va arriver, eh bien, vous allez l'utiliser à bon escient. Cette fois-ci, pour certains de vous, vous allez l'utiliser pour vous, d'accord? Ouais, on a la page blanche. Ici, on est intéressé par autre chose. Ici, on est attiré par autre chose, puisqu'il regarde le feu du dragon ici. Hein. Donc, il voit même pas que son bâton s'active. Pardon. Donc, on est dans l'action, en tout cas. Et on est page de bâton. Vous avez une nouvelle vie qui s'offre à vous. Donc, c'est la renaissance qu'on a ici aussi. Et c'est la page blanche. Et donc, du coup, tout est à dessiner. Pour d'autres, vous manquez d'inspiration. C'est la page blanche, justement. Mais comme j'ai l'action, ça va revenir. Ne vous inquiétez pas. Ouh, vous avez de la concurrence. Au travail, certains de vous ou proches de vous, vous avez de la concurrence. Mais déloyale, vous voyez cette concurrence. Hein. Il y a quelqu'un qui vous copie, qui vous copie, qui manque de charisme, de personnalité. C'est pas comme l'exemple, vous voyez, là, c'est vraiment le 5 de bâton. Il y a la concurrence, mais déloyale. Et c'est quelqu'un qui peut vous mettre les bâtons dans les roues, coûte que coûte, qui n'a pas envie que vous vous élevez et bah, qui a envie que bah, cette tornade, en fait, hein, que tout parte dans tous les sens. Mais c'est à vous d'être autoritaire. Waouh, c'est quoi ça? C'est à vous d'être autoritaire, de ne pas vous laisser faire, parce que là, ici, il y en a une qui pleure, l'autre qui menace, l'autre qui sait pas qui est fautive, mais c'est tout ce qui est dispute. Alors, est-ce qu'il y a eu aussi des disputes au niveau de la famille, et puis qu'il y aura la paix, vous voyez, par le temps, mais qu'il y a eu quand même des coups bas? Ça, c'est plausible. Mais après, c'est possible aussi, bah, vous savez, le 7 d'épée, c'est aussi bah, l'adultère ou la tromperie. On vous dit quand même de penser à vous et vous allez penser à vous. En fait, vous allez quitter tout ce qui n'a plus lieu d'être, exactement. Vous allez vous recentrer sur vous-même comme elle, hein, d'accord? Et vous allez vous apporter de l'amour, du temps, et puis vous vous recentrez sur vous-même et vous allez travailler énormément, mais énormément, pour mettre de l'argent de côté, d'accord?
C'est pas tout de suite qu'on récolte, c'est vrai, on le sait très bien, mais c'est le travail du dur labeur et au final, on récolte les fruits de son travail, d'accord? Donc c'est comme si vous étiez votre propre jardinier, agriculteur, jardinier, et que en fait, une fois que les fruits seront mûrs, parce que ici il y a du rouge, rose, mais il y a du vert aussi. Donc elle les regarde et elle prend le temps de les regarder, mais elle ne les arrache pas. Elle sait ce qu'elle fait. Elle se dit, je préfère attendre encore une semaine et toute ma grappe sera mûre. Donc la récolte n'est pas pour tout de suite parce que c'est un set de patates, mais en travaillant dur, on peut y arriver. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est cette carte-là. Vous avez quand même la fatigue, d'accord? Vous avez, certains de vous, peut-être une douleur qui revient, hein? On vous parle de la carte de l'esthétisme. Peut-être que vous travaillez dans l'esthétique. Oui, l'esthétique, l'esthétisme, l'esthétique. Et voilà, elle est toute magnifique, hein, d'accord? Avec ses jolis cheveux et tout. Donc on vous parle de la carte de l'esthétisme, donc peut-être vous êtes esthéticienne, coiffeuse, vous avez un institut ou alors vous travaillez dans une fabrique cosmétique, vous voyez où vous êtes hôtesse et voilà, bon tout ça. On vous parle aussi de votre bonne étoile, d'accord, qui est là, qui ne vous lâche pas, votre chance elle est là. Donc, il y a des opportunités. Il faut faire attention, par contre, voilà, c'est ça. Faites attention, s'il vous plaît, entre... Parce qu'ici, on peut avoir cette abondance, mais faites bien la différence. Et ça, c'est le diable, hein, d'accord? Il faut savoir... comment dire? Comment je vais dire ça? Il faut savoir pondérer les choses, équilibrer les choses entre... Le matériel et l'affectif. C'est le roi d'amour ici, ça. D'accord? Le roi de coupe, c'est le roi de l'amour. Donc, vraiment pondérer entre équilibrer et pas tomber justement dans le matériel, le financier. Voilà, c'est les deux. Équilibrer tout ça à tout prix. Alors, certains de vous... Le bonheur. Certains de vous, on vous parle, ben certains vous allez m'appeler, hein, d'accord, parce qu'il y a une souffrance, il y a une douleur, vous avez besoin de soleil, de lumière, de clarté, hein, d'accord, clairement. Pour d'autres, en fait, on vous parle de formation qui a l'air difficile, pas évidente, hein, d'accord. Pardon. Mais on vous parle par la suite, le 10 de coupe, c'est alors le bonheur en famille, d'accord? Le couple va bien, les enfants, il y a même un petit bébé, tout ça, il y a de l'abondance, il manque de rien, le chat il fait la sieste, tout va bien. On peut vous parler également ici de le 10 de coupe, on peut vous parler que on finit un cycle, on termine un cycle, d'accord? Tout s'éclaire, on termine un cycle. Et puis, vous allez vers le bonheur, la joie. Et en tout cas, puisque c'est les émotions, là, c'est le bonheur, quoi. Le 10 de coupe, c'est le bonheur total. Alors, est-ce que vous êtes content de terminer une formation et de, par la suite, vous lancer à votre propre compte ou de démarrer l'activité ou de travailler, d'accord? Pour quelqu'un, enfin une entreprise ou tout ça quoi, c'est possible. Ou alors, bah écoutez, on finit un cycle, tout est terminé et là, on est dans le bonheur total en tout cas. Et l'équilibre, voilà. Maintenez l'équilibre, c'est important. Donc, je vous le redis, entre l'affectif et le matériel, puisque après, si vous êtes trop dans si vous êtes trop dans l'affectif, vous allez abandonner le travail, vous allez abandonner, ça va vous dérouter si on est trop. Dans le trop, c'est l'excès.
Donc l'excès du plus ou du moins. Mais là, si on est trop dans le sentimental et tout ça, eh bien on abandonne cet équilibre. Donc la balance, elle va pencher plus à droite. Et si vous êtes trop dans le financier, elle va pencher plus à gauche, donc par exemple, ou l'inverse. Mais il faut pas être dans, il faut équilibrer ça entre le matériel et l'affectif, hein, ici. Ne pas tomber, n'oubliez pas, il faut pas idolâtrer l'argent. Je veux dire, quand on idolâtre quelque chose, c'est vraiment l'excès, voilà, ou l'un ou l'autre. Il faut un juste équilibre, il est là. Bon, en tout cas, certains, vous allez vous améliorer aussi. Il y a une situation qui s'améliore dans votre vie, il y a un dénouement. Ok, ça marche. Y a un dénouement. Allez, on va regarder de suite au niveau sentimental. D'accord. L'homme ténébreux, mais qui n'est pas sérieux. Beau gosse, mais pas sérieux. Dommage. Alors, on va regarder. Alors, attention ici à l'union. Parce que ici, il y a un masque. Il y en a un des deux qui porte le masque. Et c'est une aubaine, c'est une opportunité, cette union. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes prévenu. Ouais, faites attention parce que là, on parle d'intérêt en fait. Que vous soyez un homme ou une femme. Donc, mes célibataires, ici, il y aura des. C'est magnifique. Ici, mes célibataires, il y a un nouvel envol. Vous rencontrez l'amour. Et là, c'est prometteur, hein, ici. Hein, d'accord? C'est prometteur, ça peut être un amour très très fort, très puissant, très passionnel. Et c'est magnifique. Vous aurez beaucoup d'échanges. Il est possible qu'on rencontre cette personne par rapport au réseau, ça c'est possible, mais c'est possible que c'est les échanges entre vous, hein, d'accord? Mais c'est prometteur. C'est ici plutôt que ça m'inquiète, là. Il y a quelqu'un. Donc comme les énergies sont interchangeables, ne l'oubliez pas, s'il vous plaît. Mais si ça parle à quelqu'un, freinez les choses, peut-être justement, avec le temps. Parce que il y en a un des deux, ou une des deux, comme vous voulez, hein, vous adaptez, qui est là par intérêt. Là, on a les masques, les mensonges. Là, par rapport à cette union et la chance, il y a des mensonges, il y a des cachotteries, il y a. Là, pour quelqu'un, il y a quelqu'un qui est une aubaine, ouais. Moi, j'ai ça, hein, d'accord? Qui est une aubaine et qui après trahira. D'accord? Donc l'union, ça peut être un mariage, ça peut être beaucoup de choses. Et il est là, enfin la bonne personne, elle est là. Bon, mais célibataire, en tout cas, il y a un nouveau cycle ici avec une nouvelle personne, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. On balaye le passé, hein, d'accord? Ça c'est clair et net. Hein. Qui trahira?
Qui trahira, ouais. Bien faire le choix. On va regarder un petit peu sur cette union. Ouh, le vilain. Ou la vilaine. À l'envers. Ok. C'est quelqu'un qui ruse. C'est quelqu'un qui est dans la fourberie, qui arrive à illusionner, à tromper l'autre et qui est en instabilité. Et cette instabilité fait que cette personne a besoin de l'autre et de cette union-là ici. De cette union. Et oui, c'est comme si le temps joue contre cette personne, donc elle est là par intérêt et qu'elle se dit vite, 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 on se marie ou vite. En tout cas, oui, c'est ça. La personne, elle est dans l'instabilité et la boussole. Cette personne, elle est déboussolée. Et peut-être que cette personne, le temps compte, vous voyez? Ici, j'ai une tierce personne qui reçoit de l'argent, des nouvelles, de l'argent, ou alors on dépense de l'argent. Ou alors on prête de l'argent, ça peut être ça aussi. Et il y a l'élévation, les plaisirs, les cadeaux, les sorties ici pour une tierce personne. Ouais. Alors qu'au début, cette tierce personne, ben, ou alors qui a expliqué qu'il y a un problème qui va pas bien et du coup. Peut-être qu'on n'allait pas bien par rapport à la nouvelle ou on attendait une réponse, mais on parle d'argent. Prenez le temps de choisir, qu'on vous dit, de scruter. Et c'est dingue parce que ça revient à la même chose que vous soyez un homme ou une femme, faites attention encore une fois par rapport aux intérêts. Alors l'intérêt, il y a l'argent, mais il n'y a pas que l'argent dans la vie, vous voyez. Ça peut être l'intérêt de squatter chez vous ou j'en sais rien moi. Hein. Bon, soyez prudent et prudente, hein, d'accord? Soyez prudent et prudente. Mais vous allez le savoir parce que j'ai le soleil ici. Il y a la lumière qui va se faire. Pour d'autres personnes ici. Je vous ai dit mes célibataires et d'autres, vous avez l'union, hein. Vous avez l'énergie de la victoire, vous vous aimez fort et vous allez régler certaines choses du passé, vous allez vous défaire d'une dette, il est possible que vous étiez endetté comme couple et que petit à petit, bah, vous arrivez à régler, solder cette dette et d'aller de l'avant. Pour d'autres, nettoyer le passé. J'ai un couple qui nettoie vraiment le passé des choses qui n'allaient pas. Et en fait, vous vous aimez plus que tout, plus fort, c'est plus fort, l'amour est plus fort. Et du coup, en fait, vous allez tout s'éclaircir, vous allez discuter ensemble, hein, d'accord? Ça va être beau, hein, il y a un vœu qui se réalise ici. Hein. Ah ouais, c'est magnifique. Voilà, ben écoutez, prenez ce qui vous plaît. Je veux dire quelque chose. Je veux bien une. Bon, mes célibataires, là, il y a moyen de rencontrer quelqu'un de bien. Alors, j'en voulais une, j'en ai deux. Succès, abondance qui vous attend. Le généreux du savoir. Je pense que vous allez être généreux, généreuse par rapport à cette abondance, ce succès. Et puis, d'autres, vous allez rajouter du savoir au savoir. Pour avoir ce succès, cette abondance, il est possible que vous vous formez ou il est possible que si vous êtes déjà formé, ça se trouve, et que vous allez utiliser cette formation. Pour d'autres, vous avez déjà du savoir, mais vous pouvez très bien rajouter du savoir. Ça, c'est possible et succès, abondance qui vous attend prochainement.
Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Pour d'autres, vous êtes des enseignants. Hein. Il y a le combat. Ouh, ah non, ça, ça ne va pas. J'ai le combat avec un ex ou une ex, d'accord? Bon, je la sors quand même parce qu'elle s'est retournée. Hein. Là, l'année en cours, il y a le combat avec un ex ou une ex, hein, d'accord? Et peut-être qu'il y a des reproches au niveau de la famille. Ou alors, vous avez un enfant ou des enfants en commun. On vous dit que vous connaissez très bien comment elle est, cette personne, un ex ou une ex, de lâcher prise et de vous occuper, de vous recentrer sur votre vie et vos proches. Puisque, de toute façon, cette personne, elle a la langue pendue et que cette personne, elle dit des fausses paroles, des mensonges et que cette personne ne changera pas. Voilà, si elle n'a pas envie, et de toute façon, on ne va pas la changer. Donc, on ne change pas une personne qui n'a pas envie de changer. Et puis même, c'est à elle de changer surtout. Donc, lâchez prise plutôt et recentrez-vous sur vous en fait, hein, surtout. Comme ça, vous aurez le bonheur total. Voilà. Ok, ça marche. J'ai encore quelqu'un, un ex ou une ex, qui n'acceptera pas que vous rencontriez une personne. Hein. C'est fou ça, hein. Bon, surtout, ça complique aussi parfois et très souvent même, quand on a des enfants. Bon. Mais bon, je l'ai. Il me semble que la dernière fois aussi, c'est sorti. C'est fou, ça. L'acceptation qui n'accepte pas. Oui, si il ou elle apprend, n'acceptera pas. Et d'autres, vous avez une super bonne nouvelle là qui arrive. Voilà. Ben écoutez, prenez que ce qui vous parle, bien entendu. Et sinon, si vous voulez en profiter de la promotion, allez jusqu'au 22 septembre inclus. Et puis vous avez tout sur mon site natinatura.com. Et moi, je vous souhaite le meilleur. À bientôt. Gros bisous.